L'entreprise Roland Spence fut fondée par M. Roland Spence lui-même en 1959. Celui-ci effectuait la réparation de motoneige et de mini-mécanique dans l'actuel garage Mazda Bouchard et Frères. Et c'est en 1965 qu'il obtint son permis de vente de motoneige Bombardier. En 1968, il déménage au 4364 Boulevard du Royaume à Jonquière. Et c'est en 1978 que ses fils prennent la relève et font quelques rénovations. L'entreprise est munie d'un vaste stationnement qui peut accueillir au moins une vingtaine de véhicules. Sa spécialité est la vente de mini-mécaniques telles que motos, véhicules tout-terrain, tondeuses, génératrices, scie à chaîne, motos marines, pontons, ainsi que des moteurs hors-bord. Ce qui fait la force et la fierté de l'entreprise, c'est la vente de motoneige Bombardier, passant des modèles utilitaires aux modèles de loisirs jusqu'à la gamme haute performance des Formula. R. Spence et Fils possèdent son propre bureau de comptabilité. Ils se rendent bien compte que l'ordinateur et le fax sont de l'équipement essentiel pour le travail de la comptabilité. Au mur du bureau de comptabilité, on peut y voir tous les trophées que le commerce s'est mérité lors des courses, ainsi que plusieurs plaques de félicitations des compagnies fournisseurs. On y retrouve également une gamme de vêtements pour la pratique des sports motorisés. Habits de motoneige, casques, bottes, casquettes, tuques, moufles, gants et j'en passe. Jacques Spence est copropriétaire. C'est lui qui vous guidera dans votre choix. Il connaît très bien toutes ces machines et il sera en mesure de conclure le contrat d'achat avec un éventuel client. Ben, nous autres, c'est un commerce, on vend, mettons, des produits motorisés. Et, c'est sûr que notre but, c'est d'en vendre le plus possible, nos profits sont là. Par contre, il faut quand même s'occuper de ces produits-là un coup c'est vendu, parce que c'est des choses qu'on a, mettons, que le client, il mérite un service après-vente de ces produits-là. Puis s'il aime son produit, ben, il va nous en faire vendre à ses amis. Que c'est pas juste de vendre le produit puis que le client s'en aille, c'est que le client s'est satisfait tout au long de la vie de cette machine-là. C'est pour ça qu'un pays dans des commerces comme nous autres, un service de réparation puis de pièces. Puis ce qu'on cherche le plus possible, c'est que le client soit bien à l'aise dans le commerce qu'on a. Parce que lui, en étant à l'aise, il va sûrement nous amener d'autres clientèles. Puis ça, il nous fait aussi un genre de publicité bouche à bouche. Pas mal plus rentable qu'une publicité qu'on va dans la télévision. R. Spence & Fils possède un inventaire de 200 000 $ en pièces et accessoires pour la motoneige et la moto. Et quels que soient les besoins du client concernant les pièces de rechange, Robert Spence, copropriétaire, saura vous servir. Il est équipé d'un ordinateur qui lui facilite le travail. Il pourra aussi vous conseiller sur l'achat d'un produit se basant sur sa connaissance en mécanique acquise au garage appartenant à l'origine à son père. Côté accessoires, ils ont des produits pouvant agrémenter et améliorer l'achat du client, tels que miroir, poignée chauffante pour votre motoneige, ce qu'on appelle des accessoires en option. Place au service après-vente. Les mécaniciens sont bien équipés. Ils possèdent un spacieux garage avec deux grandes portes et plusieurs outils leur étant bien utiles. Un ventilateur laisse échapper les émanations de dioxyde de carbone lorsque les véhicules sont en marche à l'intérieur. Un pont roulant peut soulever de lourdes charges et les transporter latéralement, ce qui facilite le travail sous les engins. Un chariot élévateur pour transporter les charges telles que les palettes contenant des motoneiges à l'intérieur du garage. L'entreprise se doit de répondre aux besoins de ses clients. C'est pourquoi ils se doivent d'avoir en stock des produits autant neufs que usagés. De plus, vous n'aurez aucune difficulté à débarquer votre motoneige de votre camion ou de votre remorque lors de la réparation, car dans le cours, il y a un débarcadère spécialement conçu à cette fin. Si vous n'avez pas les moyens d'aller chercher votre marchandise, Roland Spence et Fils se fera un plaisir de vous la livrer. Au niveau du personnel, ça nous prend, mettons, du personnel au niveau de la vente des véhicules, de la vente du vêtement, qui sont quand même spécialisés dans un domaine qui connaissent les choses. Ça nous prend aussi un bon gérant service que lui est capable d'accueillir le client. Dans notre cas, c'est mon frère. Pourquoi que mon frère est là? C'est parce que lui, il fait de la vente aussi, puis le client, il sent plus à l'aise quand il y a des problèmes avec son véhicule. Ou on peut aussi plus réparer des troubles ou des affaires que le client n'est pas satisfait. Plus facilement que si on mettrait à ce niveau-là.
Puis nos mécanos, il faut quand même qu'ils soient formés et assez compétents. Parce qu'il reste quand même qu'on travaille avec des taux horaires assez élevés, puis on a une concurrence qu'il faut au niveau des personnes qui peuvent réparer dans les. Mettons dans le cours à eux autres. Il faut que le gars, en fait, il n'aille son gymnase. Il n'aille pas son argent puis qu'il soit satisfait à 100%. Autant de la machine qu'il a acheté que du vêtement qu'il a acheté ou de la réparation qu'on a effectuée sur sa marine. Les mécaniciens sont bien formés. Ils reçoivent des stages de formation de la compagnie Bombardier. De plus, ils adorent leur travail, ce qui les aide à remplir le désir des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions de dollars, l'entreprise familiale s'est taillée une place de choix au sein de ses compétiteurs régionaux.